Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Dibi Show. C'est encore samedi et vous faites très bien de nous choisir. Aaron Couture a signé Nos Styles du Jour et Brie Delors a fini le travail avec la mise en beauté assez soft dont elle a le secret. Notre Euphrasie est à côté toute pimpante. Bonjour Euphrasie. Bonjour Vanessa. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va super. Depuis la dernière fois, ça fait un bail, on ne s'est pas vu. Tu vas bien? Ouais, je vais bien. Bon, quoique le bail, c'est juste une semaine, mais ça va. Ouais, j'espère que nos web spectateurs ou nos internautes vont bien également. Et on est très heureuse de vous retrouver. Et on va passer, je dirais, à peu près 60 minutes avec notre invité et beaucoup de surprises au programme. Exactement, beaucoup de surprises. Il y a des choses que vous n'avez pas envie de rater, donc restez connectés, ne débranchez pas. On se retrouve dans quelques secondes. Dibi Show commence tout de suite. Celui que nous recevons aujourd'hui, il a commencé juriste, il a fini communicateur et a même fait de la télé. Vous êtes nombreux à vous souvenir de ce visage. Aimé Tienou, bonjour et bienvenue dans Dibi Show. Bonjour Vanessa, bonjour Euphrasie. Bonjour Aimé, bienvenue dans le canapé de Dibi Show, sens-toi à l'aise et puis fais comme chez toi, comme on dit. Je suis bien à l'aise, hein, tu vois que j'ai même la main carrément de l'autre côté. Ah oui, surtout. C'est la maison comme on dit. C'est ça. Nous sommes très heureux, Aimé, nous bien sûr et nos téléspectateurs de te recevoir aujourd'hui. Et on va partir tout de suite avec la toute première rubrique de cette émission, c'est la bio en questionnaire. On a envie de mieux connaître Aimé Tienou. J'espère qu'il n'y aura pas de questions un peu bizarres. Ça, c'est le travail de quelqu'un, mais ce n'est pas tout de suite en tout cas. Je suis tentée de demander pourquoi vous, les juristes, vous finissez à la télé. Mais comme tu ne peux pas parler pour tout le monde, donc je vais te demander, Aimé, toi, ce revirement-là, de ton côté, c'était dû à quoi? Bah, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que l'assertion que tous les juristes finissent à la télé n'est pas vérifiable, ça c'est clair. Mais je pense que j'ai eu la chance quand même, même bien avant hein, que je finisse mes études de droit, de côtoyer un certain nombre de choses dans le domaine de la communication, que ce soit de l'animation, ce genre de choses. Je me rappelle quand j'étais étudiant à la fac de droit, en deuxième année, j'étais celui qui animait le plus grand événement qu'on avait à l'époque à la fac, qui était Miss FDD. Ah oui, je me rappelle bien. Voilà, c'était vraiment à l'amphi 600. On avait aussi initié un truc qui s'appelait la IEG TV. Oui. J'allais là aussi à l'époque aussi déjà. Les belles années universitaires. Voilà. Hein. Donc, c'est pas, je ne dirais pas que j'ai rêvé de devenir animateur en faisant du droit, mais c'est juste un chemin qui s'est tracé. Les opportunités se sont créées au bon moment et puis voilà. Saisi. Ça veut dire que le métier t'a choisi. Bon, ouais, hein, quelque part, oui, parce que je me rappelle que moi, quand j'ai fini la fac de droit, hein, c'était en juin ou en juillet, je ne sais plus, le premier boulot que j'ai eu, c'était en tant que responsable marketing et communication. C'est-à-dire, c'est vraiment du tout. De l'autre côté, ça, hein. Ça n'a rien à voir. Et en tant que responsable communication de cette structure, j'allais souvent à la télé défendre certains projets, hein, certains événements, et justement à LCF, et c'est là que le fil en aiguille, hein, en venant parler de mes événements, je finis chroniqueur et animateur sur le ciel. Mais Vanessa, si tu permets, j'aimerais dire, en fait, en tant que juriste, si par exemple tu dois finir avocat ou oui, voilà, quelqu'un qui doit plaider devant un procès, tu es appelé à parler en public. Exactement. Donc, je pense que le lien est vite fait entre les juristes et ceux qui et le domaine de la communication. Les parce que qui ont fini à la télé, ils se sont pas perdus. Ils se sont pas vraiment perdus parce que c'est dans la droite ligne de leur parcours, en fait. Parce que tu es appelé à apprendre à parler en public, à plaidoyer devant un juré ou un jury avec un public. Donc, si tu finis à la télé, c'est que peut-être soit tu as fait un break pour apprendre à parler devant un public et continuer pour aller plaidoyer devant un jury. Alors, elle est logique, elle. Oui. Alors Aimé, pourquoi avoir choisi ensuite pour continuer tes études les États-Unis? Bah, je dis souvent que des opportunités arrivent hein, à un certain moment, un autre de la vie, on les saisit ou on les saisit pas, c'est nous qui voyons. J'ai jamais, pour ceux qui me connaissent, j'ai jamais rêvé de voyager un moment hein, parce que
Moi, quand j'ai fini, j'ai commencé à travailler. Ce n'était pas le grand truc, mais bon, ça allait plus ou moins. Et lorsque j'ai eu déjà 5 ans d'expérience hein, en tant que communicant, communicateur, marketeur, animateur d'événements et tout le reste, je me suis rendu compte à un certain moment que mon CV n'était pas en concordance avec ce que je faisais. C'est-à-dire, je peux écrire mon CV tout de suite, mais toute mon expérience professionnelle est complètement ailleurs. Donc, j'ai commencé à vouloir chercher l'opportunité pour pouvoir me former un peu plus dedans et pour pouvoir avoir la matière là. Et puis après, j'étais nul en anglais. Donc, quand une opportunité vient pour qu'on puisse apprendre et l'anglais et la communication et des meilleurs, donc des Américains, bah, on a saisi tout simplement. D'accord. Alors, Aimé, le 12 janvier de cette année, on a vu une publication sur ta page Facebook où tu as mis « Casting pour production, production d'artistes, hommes ou femmes de 18 à 25 ans ». Aimé, il se lance dans la production d'artistes ou qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, il y a des choses qui se cuisinent. Je ne vais pas faire de commentaires sur ça pour l'instant. Et on verra au moment opportun. Je veux postuler. Dommage. Alors, le Mindset Meeting. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça te connaît. Mindset Meeting? En fait, le Mindset Meeting, c'est un concept de mon frère et ami Yassin Tata, avec qui on a discuté plus d'une fois. On a senti cette nécessité-là de créer un petit réseau hein, de jeunes travailleurs, rêveurs, entrepreneurs, en partageant un idéal, une série de formations et puis en réfléchissant ensemble. Et quand on débloque un peu, en fait, quand on définit un peu le Mindset Meeting, c'est vraiment la rencontre des idées et la rencontre des personnes qui réfléchissent ensemble. Donc, le Mindset Meeting, c'est juste un concept de l'agence Hello Invest, qui est l'agence de Yassin Tata, qui permet de rassembler des jeunes cadres, des jeunes entrepreneurs et tout, autour d'un thème intéressant, une fois par mois, selon l'initiative, et de pouvoir discuter. Et j'ai juste été heureux d'être la première personne sélectionnée pour la première édition pour partager mon expérience de communicant avec eux. Et puis voilà, c'était très bon, c'était très beau. Et vivement la deuxième édition, c'est très bientôt même d'ailleurs. D'accord. Coucou à Yassin Tata, on t'attend dans des bichots. Tu ne nous esquiveras pas. Ça, je peux te le garantir. Sinon, on va dire plutôt que lui, il attend l'équipe de Débichot. Ah, s'il y a lieu, l'équipe de Débichot, je vous le dis officiellement aujourd'hui, on est prête à se déplacer pour venir vers vous pour enregistrer ou pour faire le live de Débichot. Donc, Yassin Tata, à très bientôt. En tout cas, très très bientôt. Alors, Aimé, dis-nous, quels sont tes trois défauts qu'on te relève souvent? Ça c'est un pif comme ça, c'est très, il y en a tellement que donc à ce point là non, je sais pas trop, mais bon, c'est ce que je vais dire, c'est peut-être une qualité et un défaut à la fois. C'est que tu toi-même tu juges. Oui, ce qui peut être un défaut, je foisonne un peu trop d'idées. Et je dis que c'est un défaut parce que je disais à quelqu'un la dernière fois que c'est une très grosse malédiction pour beaucoup d'entre nous. Hein, parce qu'on n'a pas encore le temps d'aller au bout d'une chose, qu'une ouais, chose nous brûle en ouais, même temps. C'est vrai. Et l'énergie avec je laquelle comprends. Chose nous brûle fait qu'on n'a pas forcément le temps de finir avec ça, une autre chose vient. C'est comme quelqu'un dirait à Gary ou... En tout cas. Et je pense, avec beaucoup de recul, que c'est pourquoi je dis que ça peut être une qualité, ouais. À beaucoup de niveaux. Mais c'est quelque chose qui a besoin d'être canalisé, c'est pas facile du tout. En vrai, quand tu dis c'est une malédiction, franchement. Je me reconnais à fond dans ce truc. Après, je suis peut-être un peu, je ne sais pas, perfectionniste, oui, parce que ça prend un peu de temps pour être convaincu par... quelqu'un qui me rend quelque chose ou rend un service, enfin c'est pas un service sans social du terme, mais quand je demande qu'on me fasse quelque chose, je le veux dans les délais. C'est tout de suite maintenant. Bien fait. Vraiment, c'est toujours ça. Et je déteste quand les gens ne sont pas rapides. C'est ça, quand ça traîne. Ni efficace. Fait, justement. Mmh. Donc il y a plein de choses qu'on peut relever, hein, et puis après, bon, on prie Dieu que ça ne nous handicape pas dans notre... notre cheminement vers la gloire, comme le dirait quelqu'un. D'accord. J'aimerais savoir, est-ce que aimer la télé te manque? En réalité, la vie est une télé.
c'est ce que j'ai compris finalement parce que... Notez ça quelque part. La vie est une télé. Qu'on dorme ou qu'on se réveille, les caméras, c'est les yeux de tout le monde autour de nous. C'est vraiment, c'est calibré. Et c'est Dieu le grand réalisateur et producteur. Peut-être bien que ça. Donc je me dis qu'en réalité, tout ce qu'on vit chaque fois, et puis en même temps avec la télé de la vie, il n'y a pas le temps de faire les montages. Donc, comme le dirait l'autre, ça sort comme ça sort. Mais en même temps, la télé au sens propre du terme, je dirais oui et non. Oui, parce qu'il ne faut quand même pas être ingrat. La télé nous a donné des opportunités. Moi, je suis toujours très reconnaissant, émerveillé qu'après 7 ans que j'ai laissé la télé, que les gens quoi qui me connaissent aujourd'hui, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant parce qu'après je suis parti et puis bon, il n'y a pas eu grand chose après. Et je dis non parce que après on a envie de toucher à d'autres choses, de faire d'autres choses et tout. Mais en même temps, bon, qui sait, la télé c'est la maison, on peut toujours revenir à un certain moment ou un autre. D'accord. Et est-ce que tu as des regrets par rapport à ces années, quelque chose que tu n'as pas bien fait, que tu aurais aimé faire autrement? Je regrette rarement parce que je suis le genre de personne qui aime assumer. Okay. Je pense que c'est toujours mieux d'assumer, d'apprendre et d'avancer. Parce que la réalité avec le regret, c'est que ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne permet que de se morfondre et puis à the end of the day, il n'y a pas grand-chose derrière. Sinon, de grands regrets, non, peut-être que si ma vie devait être vécue, peut-être que je la revivrai de la même façon. Je ne sais pas si je changerai quelque chose. N'est-ce pas? D'accord. Et mais aujourd'hui, on a choisi un thème assez particulier qui va avec ta personne, avec ce que tu fais. Le thème du jour, c'est deux secrets du public speaking. On a juste envie que tu nous donnes à nous et à toutes les personnes qui nous suivent deux petits secrets, deux tout petits, pour pouvoir tenir devant un public et s'exprimer en fait. Quel est ton truc à toi? Bah, la première des choses, c'est de savoir que tout le monde a le trac. D'accord. Faut pas penser que les gens qui sont les meilleurs orateurs, moi j'admire de très grandes personnes ou personnalités comme Barack Obama, quand il s'exprime, il est excellent. Et d'autres, Jim Rohn, en tout cas d'autres personnes que je suis. Quand vous allez lire la biographie de ces personnes ou suivre certaines vidéos d'elles, elles vous diront toujours, le trac il existe pour tout le monde, que ce soit pour des speakers aguerris ou pour des débutants. Alors, le plus important, c'est de savoir qu'on n'a pas à se débarrasser du trac, en réalité, non. Le trac, ça se contrôle. C'est humain. Et ça s'utilise. Parce qu'en réalité, si tu n'as pas un peu de stress avant de parler, tu n'as pas cette pression, cette adrénaline-là. L'adrénaline, quand il n'y a pas, tout est juste flat, donc plat. Voilà. Donc, mon premier secret, c'est que ne luttez pas contre le trac. Respirez un bon coup, gardez-le d'un côté. Le trac vous permet de comprendre que ce que vous allez faire est important. Ça vous donne un peu d'énergie. Voilà, et cette énergie-là, c'est bon pour pouvoir vraiment donner et du contenu et de la vie et des émotions. Deuxième des choses, ou peut-être je vais dire deux choses en même temps, maîtrisez ce que vous avez à dire. Parce qu'on ne peut pas inventer. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Donc, la meilleure des choses, c'est d'être un peu cultivé. Lisez. Écoutez les gens, en tout cas faites des choses qui vous permettent d'avoir du contenu, parce qu'il n'y a pas de public speaking sans contenu à partager. Et ça peut être pour un entretien d'embauche, maîtrisez votre CV, maîtrisez les techniques d'entretien et parlez à votre jury. Ça peut être pour la soutenance d'une thèse ou d'un projet, maîtrisez le sujet et allez le défendre, d'accord? Et l'autre chose que je voulais juste racoler à ça, c'est de maîtriser la langue dans laquelle on doit s'exprimer. Évidemment. Évidemment. Il y a des gens qui, en réalité, n'ont pas de problème de public speaking. Ils ont juste un problème de langage, d'articulation peut-être. Et ils n'ont pas de vocabulaire. Quand tu n'as pas de vocabulaire, tu ne peux pas parler de façon cohérente. Ouais. Donc, que ce soit en français, surtout en anglais. Quand tu le sais, tu as du mal. Tu as beaucoup de mal. Tu démarres déjà avec des bâtons dans les roues. Mm. Donc, et puis, il faut faire ça. Et puis, après, il y a beaucoup de choses qu'on apprend sur les techniques un peu plus précises, comment éviter des allocutions comme les ronds, les e, comme on dit tout le temps, lorsqu'on parle, des expressions béquilles, comme on les appelle. Des petites interjections qui traînent ça et là dans les phrases. Et la gestuelle. Oui. La gestuelle qui est très, très importante lorsqu'on parle. Le regard, c'est des petits trucs, mais bon, le plus important, ne vous souciez pas de votre acte, gérez-le et soyez cultivé.
Moi, ça m'amène à discuter sur un aspect de la confiance en soi. Parce que quand on parle du public speaking et tu arrives quelque part, tu impressionnes parce que les gens te trouvent avec une grande assurance. Sûr de soi, oui. On te trouve, oui, cette dame, elle a confiance en elle, elle est très sûre d'elle et tout, mais ils ne savent pas, en fait, ce que tu arrives à surmonter, ce que tu essaies c'est de camoufler. C'est du travail derrière, en fait. Voilà. Et moi, ma question est de savoir comment arriver, pour ceux-là qui ne l'ont pas déjà, comment arriver à avoir cette confiance en soi pour pouvoir parler en public sans problème. Ben, on dit souvent que practice makes perfect, right? C'est en pratiquant qu'on devient... En fait, dès que j'entends cette phrase, je pense à mon père. Coucou à papa, débit, hein, on va dire. Ben, practice makes perfect. Il faut s'entraîner. Ouais. S'entraîner à faire quoi? C'est pourquoi je dis, quand vous êtes sûr de ce que vous avez en poche, vous n'avez pas peur de l'addition, en fait. Mm. Ah. C'est ça, parfois même on dégage une assurance dont on n'en est pas conscient. Bon, petite confession du jour, c'est mon cas. Voilà, tu es arrivé quelque part, on te dit que ah j'aime ton assurance. Qui moi? C'est vrai, en plus moi, tu te dis moi assurance, vrai, vous, je ne sais pas les démons ça. Avec lesquels je lutte. Il faut avoir du contenu. Ouais. Parce que la confiance en soi réside dans le fait que tu sais de quoi tu parles. Une situation, tu maîtrises. Ouais. C'est ça. Quel que soit ce qui va se passer, tu gères. Mm. Mais lorsqu'on n'a pas l'assurance d'avoir un contenu, on n'est pas. C'est vrai que là, c'est chaud. On n'arrive pas parce qu'on ne sait pas. On n'est pas sûr de pouvoir gérer au moment opportun. L'assurance, en réalité, quand on parle d'assurance en soi, ce n'est pas de se mentir. Qu'on peut gérer. Il faut être convaincu soi-même déjà, non? À la base, je pense. Parce que lorsque le problème va se poser, ce ne sera plus une question de, j'allais dire, de théorie. Ce sera pour toi de prouver dans la pratique que tu as vraiment cette assurance-là, de pouvoir parler, de pouvoir faire ci ou faire ça. Justement. Soyez une personne cultivée et parlez. On va vous dire que vous parlez trop, c'est pas grave. Trouvez d'autres personnes et parlez-leur. Jusqu'à ce qu'elle aussi soit fatiguée de vous entendre. Trouvez d'autres personnes. On aura toujours. Parce qu'on est 7 milliards sur Terre. Il y a beaucoup de gens qui auront envie de vous entendre. Au pire des cas, votre miroir, il est là. Donc, parlez. Live Facebook, parlez. Quelqu'un n'est pas content, il changera de live. Sinon, vous parlez. Donc, pour dire qu'il faut continuer quand même de s'exercer. On a un monde où les gens nous critiquent très rapidement. Nos premières erreurs, mais généralement les gens nous critiquent pour des choses qu'elles n'arrivent pas à faire elles-mêmes. Ça c'est vrai, la plupart du temps c'est ce que j'ai remarqué. Donc que ceux qui pensent que c'est impossible puissent laisser libre cours à ceux qui essaient de quand même essayer. Exactement. Je suis parfaitement d'accord. J'espère moi que tous ceux qui nous suivent ont quand même un petit calepin, un stylo, parce qu'on a demandé deux petits secrets. Et moi j'en ai noté en tout cas quelques-unes. Ne pas lutter contre le trac, c'est avec ça que tu as commencé. Maîtriser son contenu. Maîtriser son thème, voilà. Être cultivé, avoir déjà du contenu avant de le maîtriser. Être cultivé. La gestuelle et le regard sont à gérer également. Tu leur as fait le récap là, donc du coup, s'ils n'ont pas noté... J'espère que là, ils ont quand même noté. Donc, non, c'est une formation qui coûte. Hein. Là, tu viens de livrer ça facilement. Normalement. Donc, c'est pourquoi je dis vraiment que j'espère qu'ils ont noté. Parce que la prochaine fois que vous en parlerez avec Aimé, il va falloir payer en fait. Que feriez-vous sans débit chaud? On vous livre des choses gratuitement. C'est ça. Euphrasie, on va passer à des clics du jour. Hein. Oui, je dirais que je vous laisse. On se retrouve juste après le jingle du déclic. Et je vous dis ce qu'il y a derrière. L'image est calée. C'est moi qui parle de toute façon.
Non, je parlerai seul. Et après, tu peux régler ça le temps que... Alors, le déclic du jour, il s'agit d'une reconversion. Et donc, cette gentille dame qui a accepté de nous partager son histoire, et que vous allez suivre tout à l'heure, elle a décroché de son ancien boulot après 10 ans. 10 ans, elle a exercé un métier pendant 10 ans. Et un matin, comme ça, elle a choisi de raccrocher pour se former et de se retrouver dans un autre corps de métier. C'est un revirement à 360 degrés, comme on dit. Donc, je ne vais pas trop spoiler. Je vais vous laisser suivre et on revient juste après les commentaires. Donc, on y va avec le déclic du jour. Bonjour, je suis Jessica. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma reconversion professionnelle. Donc, depuis 3 ans, je suis aide-soignante. Mais avant cela, j'ai travaillé pendant 10 ans pratiquement dans une société, dans une entreprise française où je faisais tout ce qui était secrétariat, caisse, abonnement téléphonique, crédit à la consommation. Alors, pendant 10 ans, j'ai fait ce métier parce que je me suis retrouvée un peu par hasard dans ce métier-là. Et j'ai tenu les 10 ans, mais sur la fin, ça a été très compliqué pour moi. J'étais plus bien, j'allais la boule au ventre. Non pas que j'avais des problèmes sur place, mais c'est juste que je n'étais plus en phase avec cet emploi-là. Donc, je me suis renseignée, j'ai fait des petites recherches. J'avais déjà une petite idée de ce que je voulais faire du domaine qui m'attirait plus. C'était le domaine sanitaire et social. Donc, j'ai fait la formation. J'ai décidé de faire la formation d'aide-soignante, où c'était une formation d'un an. Donc... C'était avec un concours, j'ai passé un concours sur liste, voilà. Et j'ai eu mon concours, ça a été très compliqué au début parce que je me suis lancée, mais derrière, il fallait penser à tout ce qui était charge, gérer les enfants, j'ai 2 enfants, donc gérer mes 2 enfants en même temps que d'aller à l'école, voilà. Mais heureusement, j'avais du soutien de ma famille, de mon entourage, de mes amis, donc j'ai réussi à me lancer donc, dans cette formation intense de 12 mois, où ça faisait pratiquement 12-13 ans que je n'avais pas été à l'école. Donc, retourner sur les bancs de l'école, ça a été très compliqué à me remettre dans le bain. Mais voilà, j'ai réussi pendant les 12 mois de formation à tenir. C'était une formation où il y avait des stages et des cours en présentiel. Donc, c'était assez riche, assez intense. Il fallait suivre la cadence. Donc, j'ai réussi à suivre cette cadence-là. À la fin de l'année 2019, j'ai été diplômée d'État avec le diplôme d'aide-soignante. Donc, depuis 2020, j'exerce ce métier où je suis épanouie. Je n'ai aucun regret par rapport à ma vie précédente, à mon emploi précédent, parce que c'est un métier où j'ai appris plein de choses aussi, où j'ai rencontré de belles personnes, où j'ai appris aussi à m'exprimer devant du monde, parce que j'étais très timide, je n'osais pas parler devant les gens. Et j'ai appris aussi, j'ai appris plein de choses avec ce métier précédent. Je n'ai aucun regret parce que voilà, c'est la vie. La vie, elle part d'un point A et elle va à l'infini. Donc, c'est à nous de pouvoir gérer notre vie. Voilà. Et le plus important, c'est d'être heureux, de suivre son cœur. Voilà. Merci à vous. Voilà, alors reconversion de Jessica Dagbovi qu'on remercie depuis la France. Merci de nous avoir partagé ton histoire. Et voilà, donc déclic, ce n'est pas que oui, qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans ce boulot? Non, pas forcément. Vous pouvez être dans une situation et switcher à 360 degrés pour une autre situation parce que bon, voilà, il faut sortir de sa zone de confort, comme on en a parlé sur ce plateau en long et en large, ou bien parce que bon, vous ne vous sentez vraiment plus dans le truc. Donc voilà, elle a choisi de retourner sur les bancs d'école après plus de 10 ans. Qu'est-ce que ça inspirant? Et je pense que ça devrait être peut-être l'émission des Bichot, peut être le déclic de quelqu'un. Pour ah, avoir suivi la rubrique déclic, ça sera son déclic à bien lui. Bien sûr, c'est d'ailleurs... Donc, c'est l'occasion de nous envoyer votre histoire. En 2-3 petites minutes, vous nous enregistrez une petite vidéo, vous nous racontez comment s'est passé votre déclic pour changer d'un état à un autre, d'un état A à un état B, si je veux être mathématique, et vous nous racontez
ce qui s'est passé, que ce soit dans tous les domaines, professionnel, sentimental, familial, tout. Racontez-nous ce qui a été un grand changement dans votre vie. Et moi, je reviens à notre invité du jour. J'aimerais savoir s'il y a un déclic dans sa vie qu'il peut nous raconter en... Bref, pas forcément sur le plan professionnel. Je précise, oui, hein, j'allais, peut-être. J'allais dire tout à l'heure quand Euphrasie parlait, je voulais dire. C'est d'ailleurs pourquoi j'encourage vraiment les gens à partager leur histoire avec nous. Oui. Parce que ce n'est pas forcément j'ai quitté ce boulot pour celui-là. Mm-hmm. Mais racontez-nous mais vraiment vos histoires. Quoi. Il y a plein de choses qui se passent dans la vie. Oui, hein, parce que peut-être un gourmet peut vous donner un déclic. Ah oui, pourquoi qui sait pas. Vous pouvez avoir le déclic de quitter une relation pour la femme de votre vie parce que vous étiez juste avec quelqu'un comme ça. Bref, voilà. Alors, Aimé, un petit déclic vite fait. Ah, déclic dit comme ça, je sais pas. Pendant que tu faisais l'introduction, je réfléchissais à tout et n'importe quoi. Mais il n'y a pas un truc qui est venu au pif comme ça. Mais bon, je peux peut-être raconter un peu quand j'ai... Je suis né à Abidjan. Okay. Je suis né à Abidjan, j'y ai fait tout le collège et le lycée. Et je me rappelle quand j'étais arrivé déjà en classe de 3e ou de 2e, mon père me rabâchait à l'oreille de plus en plus qu'après le bac, il va falloir rentrer faire l'université. Mm-hmm. C'était évidemment non, c'est-à-dire c'est pas possible. Moi, toi, t'en voulais pas en fait. Non, mais c'est clair, je connaissais pas bien l'Omé. Babi est doux. Et puis voilà, Abidjan est doux, et puis voilà, avec tous les petits trucs. Et quand je suis arrivé en première, c'était encore ça. Et puis en terminale, c'est bizarre. Mais j'étais le gars qui n'avait pas vraiment envie de réussir pour ne pas avoir à aller à Lomé. Quoi, parce que c'était clair que si j'ai le bac, je vais à Lomé. Et c'était difficile de ne pas réussir malheureusement parce que... tu es déjà intelligent en fait. On est déjà nés, on va faire comment. C'est ça même. Mais bon, quand je suis arrivé à Lomé, c'est là où même c'était intéressant. Ça a été très difficile pour moi quand je suis arrivé à Lomé parce que je n'étais pas habitué à quoi que ce soit. Et je me rappelle même que j'ai fait 10 jours à Lomé, je suis retourné à Abidjan, dire à mon père que je ne resterai pas. Ah ouais? Est-ce que tu parlais déjà Mina, le patois? Oui, je parlais Mina. Ma mère a payé à son âme à faim un travail colossal. Ah ouais? À Abidjan, donc on parlait. Hein. Bon, c'était pas aussi parfait qu'à Lomé, mais on pouvait comprendre au moins quand on t'insulte. C'est l'essentiel. C'est très important. Oui. On pouvait acheter à manger, on pouvait draguer en Mina. C'est l'essentiel. Donc c'est déjà. Donc après, mon père m'a ramené encore à Lomé, après une semaine encore à Abidjan, ah ouais. À l'université, et puis c'était tout un tracas. Et j'ai pleuré, hein. C'est-à-dire littéralement, j'ai passé des nuits à pleurer et tout. Mais finalement... Non, mais c'est normal, c'était l'inconnu en fait. C'était ouais, l'inconnu. Ouais. Finalement, on se rend compte que il n'y a pas de hasard dans la vie. Ouais. Parce que j'ai raconté quelque part un jour que ça a été pour moi le déclic d'une expression qui est restée très importante pour moi. Il faut apprendre à se réinventer au quotidien. Et je dis toujours que si j'ai un livre à écrire, en tout cas, ce sera l'un des titres de l'un de mes livres. Se réinventer au quotidien. Parce que quand j'ai appris ça là, en ce moment, et qu'il fallait que je me réinvente hein, dans la situation dans laquelle j'étais, depuis lors, je me suis réinventé 10 000 fois. Donc, quand tu as compris que tu n'avais pas le choix. Que je n'avais pas le choix, que dans certaines situations, tu as juste besoin, parce que le cerveau de t'adapter. Le cerveau humain a une très grande capacité. Et puis l'humain s'adapte très vite. De s'adapter. Ouais. Et après, bon, Lomé est devenu très doux. Je suis retourné à Abidjan, quoi, juste 2 ou 3 fois depuis que je suis à Lomé. Ah oui? Mes amis à Abidjan, c'est toujours étonnant de savoir que je ne viens presque jamais. Mais bon. Et je suis aux États-Unis, je veux toujours rentrer à Lomé. Finalement. N'est-ce pas? Il aime Lomé. Hein? Lomé est doux. Fazi, on a assez laissé aimer souffler. On va partir maintenant avec dans les émotions. Surprises. Voilà, on va partir avec les surprises. On a une personne qui a accepté de nous parler de toi, de nous dire ce qu'elle, la personne, je veux dire, c'est un homme, mais comme je dis la personne, ce qu'elle pense de toi. Et je ne vais pas trop en dire. On va partir et c'est dans 2 secondes. Témoignage vivant. C'est qui ça? Tu verras. Bonsoir, mon frère Michel, et bonsoir à tous les téléspectateurs de la télévision. Je vous remercie de parler de ce personnage, de ce personnage. On dit souvent dans la vie, il y a des rencontres qui ne vous laissent pas indifférents.
et qui change quelque chose dans votre vie. Ça a été le cas pour Aimé Tchénou et moi. Au départ, c'est quelqu'un que j'ai rencontré comme ça, qui voulait passer à la télé pour parler de son projet. Il était le réalisateur, le metteur en scène d'une comédie musicale qu'il réalisait au niveau de l'Agora Senghor. Et tout de suite, dans nos causeries, déjà j'ai vu qu'il s'exprimait très bien. Il avait le verbe facile. Il avait cette facilité de pouvoir discuter, convaincre les gens. Et il a fait aussi la Côte d'Ivoire. Donc, il y a déjà ce petit truc-là qui nous a rapprochés rapidement. Et lorsque je lui ai donné l'occasion de passer dans mon émission à l'époque, Café Matinal sur la LCF, j'ai vu tout de suite que il était à l'aise sur le plateau. Il avait le verbe facile, il s'exprimait bien, il n'avait pas de problème pour défendre ses idées. Il était tellement à l'aise devant la caméra et le micro et tout. Je dis, mais ça c'est un bon élément pour la télé. Donc après l'émission, je l'ai abordé, je lui ai dit, mais Aimé Tchénou, ça te dirait de faire de la télé? Au départ, il m'a dit, mais pourquoi pas, que il va voir comment concilier son agenda à l'Agora Senghor, également aussi dans ses cours et tout, et trouver le juste milieu pour passer à la télé. Je lui ai dit, viens, que c'est pas aussi compliqué que ça. Essaye de me proposer une rubrique, vois ce que tu peux faire dans Café Matinal, et ensemble, on verra comment on peut évoluer. Et c'est parti de là, et c'est ce que vous avez pu constater après. Il est devenu l'un des meilleurs chroniqueurs de Café Matinal, et on est resté de très bons amis. On est devenu même comme une famille, parce que il y avait beaucoup de choses qu'on partageait. Il y a eu tellement de choses entre nous. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner aux gens en retour. Il sait ce qu'il veut. Il est très très intelligent quand il s'agit de monter un projet ou d'accompagner un événement. Et je dirais que pour moi, ça fait partie des références de ce pays. Je ne peux que lui souhaiter bon vent, bonne chance. Continue à travailler comme tu le peux. Continue à donner ce que tu peux à toute cette nation. Tu es quelqu'un que je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et je demanderai au ciel de toujours t'accorder cette grâce-là, de sorte que tu puisses faire briller autour de toi la lumière que tu dégages. Que Dieu t'accompagne. Belle émission à vous. Parle. On est encore revenu. Recommence. Je recommence. Comme okay. On est revenu. Alors, Monsieur Tchénou, un commentaire. Bah là, c'est une très grosse surprise. Un vrai commentaire. En fait, Kevin, toutes les fois qu'on se voit ou qu'on s'appelle ou qu'on s'écrit, pour moi, c'est beaucoup d'émotions en même temps. Et je ne cesserai de le dire parce que la relation Kevin et moi a été vraiment un truc crescendo. On s'est connus d'abord, comme il a dit, je venais, comme je l'ai dit tout à l'heure, je venais à Café Matinal pour mes événements, des trucs dans le genre. Après, on se voyait en ville parce que je sortais aussi beaucoup la nuit à l'époque.
On se voyait, on discutait, on se taquinait et tout, jusqu'à ce que ce soit maintenant un collègue de télé, un mentor. Et ce qui me plaisait avec Emile, c'est qu'il était disposé à vraiment t'accompagner dans ce que tu fais. Et puis, il avait tellement maîtrisé ce qu'il faisait qu'il avait la possibilité de te dire que ce n'est rien. Donc, t'inquiète, tu vas venir, ce sera bon. Ouais. Tu maîtrises, tu vas l'acheter. Tu vas le faire. Tu vas le faire. En tout cas, pour saucer les gens, il est fort dedans. Voilà, hein. C'était super. Alors, quand il me parle, quand il me fait la proposition, hein, à l'époque, non, viens et tout, je ne sais même pas quoi, qu'est-ce que je veux faire. Il dit, non, mais va et puis propose-moi un truc. Après, on va, on réfléchit, c'est quoi. Et puis, après, on vient voir la directrice. Moi, je pensais qu'on allait me dire, bon, tu commences quoi, dans 2 mois, dans 3 mois, le mois prochain. Mais c'est là. Non, avec Kevin, c'est tu commences demain. Voilà, j'étais venu le vendredi pour un truc encore. On me dit, bon, bah, ici, c'est comme ça, tu passes lundi et tu démarres. Ah, pour toi aussi. Oui, maintenant, après, il faut trouver un contenu et tout. En fait, tout le monde est passé par ça. Moi, j'étais passé un lundi pour commencer un mercredi. Donc, c'est d'accord. Exactement. Donc, ça. Voilà. Mais avec Kevin, ça a été vraiment ce gars avec qui tu pouvais juste le regarder, ne pas avoir peur. Tu sens que il y a de l'assurance, il gère. Et il y avait toutes ces anecdotes là, on arrive, Kevin n'est pas encore là, on ne sait pas comment l'émission va se passer et tout. Et on se pose des questions et puis le gars il débarque. Et puis c'est la plus belle émission. 59 et puis paf, tout le monde est bon et puis l'émission s'en va. Donc c'est un monsieur que je respecte beaucoup, il le sait, j'ai même pas besoin de le dire ici parce qu'il connaît tout ce que j'ai à mon cœur pour lui. Je ne rate pas l'occasion de lui dire toutes les fois où j'ai la possibilité. Et merci infiniment pour ce qu'il dit, parce que ça me touche sérieusement. Et Dieu nous bénira tous et on verra ce qu'on pourra apporter comme contribution. D'accord. Vanessa, je ne sais pas pour toi, mais le jour où on va recevoir Kevin dans cette émission... En tout cas, Kevin, on t'attend. Le jour où on va le recevoir dans cette émission... En fait, je sais qu'il va nous esquiver un tout petit peu, parce que depuis le début, il nous fait des vidéos. C'est vrai. Un peu compliqué. Je pense qu'on va le faire le mois prochain pour son anniversaire. Qui sait? Kevin. On verra bien. Alors, Aimé, moi, je vais continuer par troubler un tout petit peu ta tranquillité. Et maintenant, c'est Euphrasie qui va s'en charger. Moi, je n'y suis pour rien. La rubrique qui va venir s'appelle « Face à Euphrasie » et c'est tout de suite. Alors, est-ce que, chers internautes, je peux vous dire qu'on m'a menacé? Je sais pas de quoi tu parles. On m'a menacé. Vanessa, tu n'es pas là. J'étais témoin. D'accord. Alors, monsieur Tienou, bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir. Rebonsoir. Ça va? Ça va. Tu es bien assis? Arrête de vouloir m'intimider. Mais moi, comme ça, est-ce que je peux t'intimider? Okay, on se sait, non? Essayons. Alors, ma première question, ce soir, je n'ai pas beaucoup de questions. Merci, c'est très gentil de ta part. Parce que je sais que, bon, on s'est parlé, quoi. Il n'y a pas grand-chose à dire. Oh, si, il y a des choses à dire. Plaisantais. Ma première question de savoir, comment est-ce que tu arrives à te mettre bien quand madame n'est pas disponible? J'allais partir en posant la question de savoir c'est quoi se mettre bien déjà. Et oui, vas-y. Quand madame n'est pas disponible, se mettre bien. Non, on se comprend entre grand garçon, entre personne adulte, comme on dit. Il y a quelque chose que je pense que nos spectateurs ou téléspectateurs, je ne sais pas, internet, oui, voilà. Essayer. Uh-huh. Ça s'appelle abstinence, ça marche aussi très bien. Oh, à n'importe quel âge. Oui. Ça marche à n'importe quel âge. Ça marche quand même très bien. Ah d'accord, donc, c'est bon à savoir. Notez, hein. Ça marche toujours, à ce qu'il paraît. C'est ce que j'essaie et ça marche toujours quand elle n'est pas disponible. D'accord, l'abstinence. Mm-hmm. Ok. J'essaie de l'enregistrer. D'accord. Deuxième question. Si on te propose un rôle dans un film pour adultes, accepterais-tu? Oui, le caméraman, peut-être. Non, dans le film, en tant qu'acteur.
En tant qu'acteur. Oui, peut-être rôle principal ou rôle secondaire ou figurant, mais si dans un film pour adultes, si très question, payant. Peut-être à l'âge, à l'adolescence, tu vois, quand on commence à découvrir les choses, ça aurait été vraiment un oui avec énergie. Parce que quand on est beaucoup plus jeune, on pense qu'il n'y a que ça de bon dans la vie. Mais là où on se rend compte, là, à cet âge-là, quand il y a beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes qu'on peut faire, je dirais tout simplement non. Ah, tu ne veux pas laisser le Rocco Siffredi en toi s'exprimer? Non, je pense que je préférerais qu'il s'exprime dans les conditions un peu plus privées. Ah, oh, ok. Sauf que ce ne sera pas payant. Il n'y a pas de souci. On paye par le bon temps qu'on passe, je crois. Si tu veux. Alors, ma prochaine question. Quelle est la plus grande bourde que tu aies eu à faire en relation? Oh. Bourde, je sais pas, qu'est-ce que tu entends par bourde? Bah, je sais pas, ça peut être pété pendant l'acte sexuel ou je ne sais pas. À toi de savoir, la plus grande bourde. Je, vraiment, c'est cette question-là. C'est vraiment. Non, juste pour rire. Alors, la plus grosse bourde, je ne sais pas, tu as appelé un autre nom à la place d'un autre nom. Non, je n'ai jamais fait ça, mais ça m'est arrivé une fois qu'on appelle un autre nom à la place de mon nom. Il y a longtemps. Toi, tu as eu à vivre ça. Oui, une fois, okay. J'ai bonne mémoire, hein. C'est un truc que j'ai jamais un peu oublié, je pense que ça doit avoir. J'étais encore jeune étudiant à l'époque, mais je comprends, parce que le nom de la personne qu'on appelait avait plus d'argent que moi, j'étais étudiant, donc ça va. Maintenant, de là, je me suis promis de chercher l'argent. Ok. Pour qu'on puisse appeler mon nom à la place d'autres personnes. D'accord. Mais toi, tu n'as pas eu affaire de bourde? Non, mais j'ai pas souvenance là. Je n'essaie pas d'être prétentieux, hein. Pas du tout, c'est sûr que. Mais, il doit en avoir forcément, mais bon, j'ai sur le moment, ça vient pas. Ouais, j'ai pas souvenance. D'accord. Et laquelle de tes ex regrettes-tu? Non, pas du tout. C'est une ex. C'est qu'elle est une ex. Il n'y a pas d'ex que tu te dis si je me t'ai comporté comme ci, si j'avais fait ceci comme cela, peut-être aujourd'hui je serais plus heureux, ou bien peut-être aujourd'hui on serait tel ou tel. Il n'y a pas une ex que tu regrettes? Non. Je crois en une chose. Je crois en une chose. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de se réinventer au quotidien, entre autres. Je pense que rien n'arrive au hasard. D'accord. Et puis avec le temps, on se rend compte que si vous êtes fait l'un pour l'autre, généralement, ça colle. Il ne faut pas forcer les choses et penser que voilà. On apprend à être de meilleures personnes par rapport à ce qu'on traverse. Et c'est en les traversant que la personne que tu es après essaie d'avoir une version meilleure de toi. Donc si quelqu'un m'a aujourd'hui, c'est une version 2.0 d'aimer. Quoi. Mm-hmm. Donc il n'y a pas à regretter quoi que ce soit, à dire que ça aurait pu être ci, ça aurait pu être ça, non. Mais non, tu sais que tu peux rencontrer la femme de ta vie, mais aller cheminer avec quelqu'un d'autre et revenir avec la femme de ta vie. Donc, des fois, c'est la bonne qui est la femme de ta vie, tu ne sais pas. Et c'est ta femme du moment qui t'empêche de voir ça. Ok. Ma dernière question est de savoir, est-ce que tu serais prêt à utiliser le monde spirituel pour arriver à ta fin? Utiliser le monde spirituel comment? On est prêt à quel genre de fin? Alors, tout en sortir. Tu sais, on dit tout ce qu'on hustle, tu vois, de nos jours, dans le monde professionnel ou bien dans la vie en général, pour s'en sortir. Il faut aller soit voir ses ancêtres, faire des cérémonies ou bien passer chez le féticheur du quartier ou aller au village pour se doter de certaines forces ou bien faire un retour aux sources pour se doter de certaines forces ou affronter la vie, parce que la vie, on sait tous qu'elle n'est pas facile. Voilà, donc est-ce que tu es prêt à faire recours à cette technique-là, peut-être, je ne sais pas, ne plus trop aller à l'église ou bien en plus d'aller à l'église, ajouter certains rituels pour te faciliter un peu plus les choses. Bon. Ou si tu l'as déjà fait, ou si c'est de ton présent, tu le fais déjà. D'abord, moi, je suis issu d'une famille très animiste. Je suis issu d'une famille, donc j'ai connu beaucoup de pratiques religieuses. Beaucoup de pratiques religieuses, j'allais dire non. J'ai connu les pratiques ancestrales. Je ne les ai connues pas parce que je les pratiquais, même si c'était monnaie courante chez moi à la maison. Ok. Donc, ça n'a pas de secret pour mon passe. Quand je dis ça n'a pas de secret, ça ne veut pas dire que je sais les faire, mais ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas nouveau pour toi, voilà.
Et je suis aussi le genre de personne qui ne blâme pas hein, les gens okay. pour leur choix. Mm-hmm. Mais j'aimerais dire quelque chose justement par rapport à ta réponse. Nous sommes des êtres spirituels. Et il est important, lorsqu'on cherche notre équilibre de vie, de trouver l'équilibre spirituel. Je travaille sur un livre qui parle, on en reparle plus tard, qui a un élément central qui dit aux gens, soyez des êtres spirituels. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il faut développer la personne spirituelle qui est en vous, parce que mm-hmm. c'est cette personne-là qui parle à un créateur beaucoup plus grand. Maintenant, que ça corresponde à moi aujourd'hui, qui suis chrétien catholique, de continuer dans ma religion catholique, tout en étant sûr que dedans, je fais l'effort de grandir spirituellement, ou à quelqu'un d'autre qui est musulman, de faire attention de sa relation avec Allah pour qu'elle grandisse sérieusement, ou quelqu'un d'autre qui est animiste, je n'en ai rien. Mais je pense sérieusement que le spirituel ou la spiritualité dans la vie est indispensable, quitte à savoir où est-ce qu'on va la chercher, qu'est-ce que ça, ce à quoi ça correspond pour nous. C'est libre à tous. Pour hein. tout le monde. Donc oui, je fais attention à ma vie spirituelle en essayant d'aboutir à mes fins, mais ce n'est peut-être pas dans cette connotation entre guillemets fétichiste ou quoi que ce soit que j'utilise. Je ne vais pas m'étaler pour que ça devienne un autre débat pour dire que est-ce que le fétichisme est négatif ou pas, mais bon. J'ai fini ma rubrique, Vanessa, l'émission est toute à toi. En fait, ces jours-ci, sur ces derniers numéros, j'ai vraiment eu envie à certains moments de réagir en fait. Non, mais pas un phrasie, alors que normalement, non, pas un phrasie, je ne dois pas réagir, quoi, tu vois. Mais écoute, tu peux réagir, hein. Déjà, quand elle t'a dit, je n'ai pas beaucoup de questions, j'ai voulu te dire, un phrasie qui n'a pas beaucoup de questions, c'est que les questions qu'elle a, c'est, il y a des bonnes questions. Une question vaut peut-être deux ou trois questions, en fait. La première question, c'était vraiment une bombe. Et justement, je voulais lui dire, je me suis contrôlée. Puis, quand elle a posé la première question, j'ai voulu lui dire « Ah, c'est ce que je pense. » Mais ça va, je crois que je m'en suis bien sorti quand même. Ben oui, parce que j'ai l'impression que tu t'es exercé en regardant toutes les rubriques de Face à l'Euphrasie des précédents invités. Et tu t'es dit « Oui, bon, je suis prête. Qu'est-ce qu'elle peut me dire encore non, que je ne sais pas ?» Mais non. La vérité est une, c'est le mensonge qui est plusieurs. N'est-ce pas? Je n'ai dit que la vérité est sur chaque réponse. Rien que la vérité. Oui, Vanessa, tu sais, à un moment donné, je vais apporter une Bible ou un Coran ici, les gens vont jurer dessus parce que... Faut être sûr que j'ai la réponse, c'est hein. C'est quand même trop facile de nous dire. Ah oui, bah oui, parce que qu'est-ce qu'il prouve? Je n'ai même pas un pistolet pour vous mettre sur la tempe. On poursuit. Aimé, tu as fait quelle école primaire? Franchement, il va falloir que je me rappelle. J'ai une très mauvaise mémoire quant à mon école primaire. D'abord, je continue. Ce que je veux savoir le plus, c'est, je sais que tu l'as fait à Abidjan, mais est-ce que ça correspond à une, on va dire, EPP chez nous? Oui, j'ai fait une école, d'abord, il faut dire que j'ai fait la maternelle, le supérieur, le CE2 dans une école privée à Abidjan. J'ai fait le CE1 et le CE2 dans une école publique à Lomé, qui s'appelle EPP Bégard. Tu as fait des gars. Ok, c'est intéressant. Donc, il a forcément connu le signal. Oui, on peut dire. Après ça, je retourne à Abidjan. D'accord. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu as connu le signal. C'était moins joli que ça, en vrai, oui. Mais tu l'as connu quand même. Hein. Et tu... Non, je ne pense pas que tu aurais pu porter le signal souvent. Non. Il ne parlait pas Mina, déjà il revenait. Et j'espère que tu vas porter le signal aujourd'hui, Aimé. La rubrique qu'on va aborder tout à l'heure s'appelle « Signal » et c'est dans 2 secondes. Je disais, j'espère que tu vas passer le signal. Mais en fait, ça ira bien avec ta tenue aussi. Non, il a dit non. C'est pas le design. Il dit non. Le concept même qui ne me plaît pas.
Donc c'est la partie de l'émission que je n'aime pas. Vous voyez, parce que en fait ça voudrait dire que je parais idiot tout de suite quoi. Oh. Bon, on va quand même essayer. Allons-y, hein. Essayez, Aimé. Je vais te poser trois questions. En fait, on va faire de la conjugaison. Tu oh, il a commencé. Quoi? À... Tu veux déjà prendre le signal? Non, je pense que je vais prendre. Tu commences. Non, pose quand même les questions, on ne sait jamais. Hein. Alors, j'aimerais que tu me conjugues le verbe courir à l'impératif présent. C'est quoi encore l'impératif présent? Attends, moi-même je cherche. Alors, oui. Courir. Oh. Courant, Toi aussi, c'est trop facile. C'est ça, non? Signal, je ne fais plus. L'émission est finie. Ok, mesdames et messieurs, ce fut nous. Ce fut des bichots. Non, mais parce que, en fait, je. Toi aussi, en donnant signal et courir, tu penses qu'il va tout, il va pas trouver? En fait, je n'ai prévu. Tu penses qu'il allait dire quoi? Moi, je pensais que tu allais dire, je sais pas, un subjonctif plus que parfait ou. En fait, J'avais prévu que de la conjugaison pour lui. Et là, je mais trouve-lui des traductions. Il a dit tout à l'heure, tu peux te trouver bête tout de suite et tu peux te trouver idiot. Idiot en fait, tu vois. Mais alors, mon deuxième verbe, c'est sincèrement, je me sens idiote. C'est travailler. Toujours impératif. Impératif. Moi, j'ai des traductions pour lui. Hein. C'est vraiment travail. J'ai des traductions. Hein. Je passe la main parce que. Moi, j'ai des traductions là. Ça n'ira pas avec ma chérie. Oui. Anglais, surtout pas pour lui. Non, pas l'anglais. Toi, tu reviens de Shakespeare là. Alors, est-ce que tu peux me dire comment on appelle le corbeau en névé? Je ne suis certainement merci pas. Merci beaucoup. Non, je connais ça. Ok, vas-y, je t'écoute. Nous, t'écoutons. I know. C'est le corbeau qui fait quoi? You know. Tell us. Arapo. C'est ça? Non, tu as menti. Alors, Arapo, c'est le. Deuxième essai. En fait, il a failli. Troisième et dernier. Cinq, quatre, trois, deux, un, zéro. Ok, ça s'appelle Akbafion. Non, je ne connais pas. Ah, tu pouvais pas savoir ça. Est-ce que je t'ai déjà dit que je t'aimais? Oui. La triche. Non. Avaco, que tu as dit, c'est plutôt épervier. Non, je sais, c'est la triche parce que c'est toi qui étais censé faire le truc. J'ai pris la main. Des bichos, c'est deux personnes. Et surtout, j'ai passé la main. Elle l'a pas volée, je l'ai passée. Vous êtes allé sur le lien que je n'ai pas forcément appris depuis l'enfance. De toute façon, tu as donné la réponse à une autre question. Tu avais fait des efforts. Donc voilà. Le chapitre de... Donc, bon. Je vais porter... Oui, vas-y, tu parles. Je rappelle que Avaco, c'est épervier. Oui, voilà, c'est plutôt épervier. Mais pardon... Il ne faut pas qu'Aimé nous mente ici. Exactement, mais le corbeau... Voilà, le corbeau, c'est Akbafion. Un dernier... En vrai, petite confession, quand il a dit Avaco, je croyais qu'il avait trouvé. Mais non. Après quelques secondes, je me suis dit, mais non, c'est pas... Ah, saisis-toi. Non, mais il n'y a qu'un seul signal, donc tu peux poser une deuxième question. Bah oui, puisque tu avais trouvé le verbe. Non, mais c'est pour enlever maintenant le signal. Non, du tout. Alors, la dernière, je vais te faciliter la tâche. Comment est-ce qu'on appelle un éléphant? Ah, mais ça, c'est Picanouse. Hein? Yo. C'est Picanouse qui fait ça. Atchimlin. En fait, j'étais trop facile de la tâche. Non. En réalité, c'est avec Picanouse que j'ai connu. C'est le nom Atchimlin. Exactement, Atchimlin. C'est avec lui que j'ai connu. En fait, parce que c'est dans ses chansons. Et donc, tu as cherché à savoir ce que c'est. Qu'est-ce qu'il raconte tout le temps? Ok. Oui, c'est un éléphant qu'on appelle comme ça. Atchimlin nous dit carrément c'est Picanouse. Ouais. Donc voilà, mais tu as quand même le signal, c'est le plus important. Réussi, non, tu le gardes jusqu'à la fin de l'émission. Non. La dernière question, c'était pour la forme en fait. On m'a mené par deux jolies dames. Donc tu l'as jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, je pense qu'on est presque à la fin de l'émission. Hein, on aussi. Est presque à la fin. J'ai encore deux petites questions avant qu'on ne te passe libère. À la phase, comment dire, à la phase flashback. Exactement. Alors, ma prochaine question, elle est, quelles sont les qualités, tes qualités, dont tu es vraiment conscient?
pas ce que les, pas forcément ce que les gens te disent, parce que les gens peuvent te flatter, tu vois. Donc, dis-nous tes qualités dont tu es vraiment conscient, deux ou trois. Je réfléchis très vite. Ok. Je réfléchis très vite et ça fait que j'aime très vite passer à l'action. Tu es cérébral, hein, comme on dit. Si on peut dire ça. Mm-hmm. Et ça, c'est une qualité que je me connais. Et ça dérange des fois les gens autour de nous ou autour de moi parce que ce n'est pas parce que la personne n'est pas intelligente, non. Ça n'a rien à voir, mais des fois, c'est juste que bon, toi, tu es déjà allé à ce moment-là. Ouais, exactement. Je réfléchis très vite et je sais aussi que j'aime apprendre. Ça ne me dérange aucunement de passer du temps avec quelqu'un qui connaît quelque chose que je ne connais pas. Et de lui dire même clairement, même si la personne est plus âgée, moins âgée, même après, ça ne me dérange pas. Mm. Et j'aime apprécier les gens qui ont quelque chose que je n'aime pas. Ça, j'adore. Bon, je ne parle pas d'argent. Ceux qui ont beaucoup d'argent, je les apprécie déjà. C'est un fait. Quand il y a un savoir qui est quelqu'un, j'aime apprécier ça. Et s'il y a la possibilité de d'apprendre, j'adore. Ouais. Une autre qualité, je ne sais pas. Moi, j'aimerais savoir, enfin, comme on clôture habituellement, je ne sais pas si tu as déjà ta dernière question, non, mais si tu n'as pas encore ta dernière question, j'aimerais que Aimé nous fasse un coup de gueule. Pas de coup de cœur aujourd'hui, mais un coup de gueule. Je ne sais pas envers qui ou envers quoi, mais tu as la libre antenne pour faire un coup de gueule. Ben, les coups de gueule, ça se prépare en réalité. Tu dois avoir quelque chose qui te... Peu importe le domaine. Ouais, un coup de gueule. Ouais, bon, ce serait peut-être pas un très grand coup de gueule, mais c'est juste un partage d'expérience, un petit truc. Avec le temps, on se rend compte qu'on a perdu le sens du travail. Okay. Beaucoup de gens aujourd'hui, surtout les jeunes, je ne me stresse pas, je suis aussi jeune et je travaille, veulent l'argent. Tout de suite. Mmh. Tout de suite et maintenant. Sans savoir que c'est le travail bien fait qui donne de l'argent. En réalité, on paye de la valeur. On paye un travail accompli. On paye plus lorsqu'il y a une valeur ajoutée. Donc, ce que j'ai appris avec le temps, c'est de continuer par rajouter de la valeur à ta personne pour mériter mieux. C'est pour cela que quelqu'un peut être dans un bureau, être simple secrétaire et gagner 35 000. Quelqu'un peut être même secrétaire dans un autre bureau et gagner 350 000. C'est juste une question de valeur ajoutée. Mmh, peut-être son sourire qu'elle ajoute en plus. Hein? C'est-à-dire, ce qu'elle peut donner qui a permis qu'on puisse la prendre plutôt au PNUD au lieu de la prendre, je ne sais pas, à l'établissement Bojomé et Fils, quoi, tu vois. Mmh. Maintenant, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en fait, moi, avec mes petites expériences, parce que je suis aujourd'hui entrepreneur beaucoup plus que tout. Donc, tout le temps en train de recruter par-ci, renvoyer par-là, s'énerver par-ci, se faire. Renvoyer surtout. Oui. J'ai connu tellement ces expériences-là ces dernières années que. J'arrive à la conclusion où on a perdu vraiment ce sens là. Le sens du travail. Et surtout du travail bien fait. Du travail bien fait. Oui. Les gens n'aiment pas travailler. Il y en a qui se battent à côté de ça, qui font du très bon boulot. C'est difficile d'en trouver. Moi, si j'ai un coup de gueule, c'est vraiment vers une jeunesse qui doit encore redoubler d'efforts sur la nécessité de travailler. Et de travailler bien, de rajouter de la valeur à sa personne parce que c'est cela qu'on vend. Et puis, c'est sûr que les opportunités se créent. Ou les personnes qui savent se préparer. Voilà. J'ai mon coup de gueule. J'aurais aimé rajouter le mien, mais comme je ne suis pas l'invité de l'émission, j'ai un coup de gueule par rapport au 27 avril. Mais bon, je garde ça d'abord pour hors antenne. Et comme Vanessa... Je ne suis pas invité. D'accord. Voilà, c'est ce qu'on appelle mi-cuillère. Alors, moi, je veux savoir une chose, de ta carrière d'animateur télé. Qu'est-ce que tu as déjà dit que tu n'es pas le genre de personne à regretter, mais je veux dire, qu'est-ce que tu aurais fait autrement si tu étais amené à reprendre cette carrière et en faire carrière surtout. Si j'étais appelé en faire carrière, c'est de faire encore en plus grand ce qu'on a pu faire auparavant. Au départ, on est allé sur des choses avec très peu de moyens. Hein. On se rappelle, j'avais une autre émission qui s'appelait Le Cabaret de la Culture. À quel moment? Quand il croit parler du cabaret. Le son est là maintenant ou il est toujours parti? Oui, vous pouvez me reposer la question. Ça est là maintenant? Oui, ça est là maintenant.
Donc je peux reposer la question. Pour qu'il sache où couper. D'accord. Et tu as quoi la question? Non, j'ai un retour. Va te reposer. Alors Aimée, j'aimerais savoir une autre chose. Tu as déjà dit que tu es une personne qui n'aime pas regretter, qui n'a généralement pas de regrets. Mais j'ai envie de savoir, s'il t'était redonné de reprendre ta carrière d'animateur télé, qu'est-ce que tu referais autrement? En réalité, après que je sois rentré à Lomé, j'ai eu certaines autres propositions, hein, que ce soit sur les télés, d'ici ou des télés d'ailleurs. Et l'exigence que j'ai toujours eue, c'est de pouvoir faire les choses en mieux. De pouvoir faire les choses en mieux, parce qu'avant, on a fait les choses avec les moyens de bord. C'est vrai, LCF, c'était vraiment la télé qu'il y avait à l'époque, pas seulement à cause du matériel qu'on avait, mais à cause du personnel qui était génial. C'était une équipe jeune qui faisait un travail formidable. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit la concurrence, lorsqu'on voit les contenus qui sont proposés par les chaînes ivoiriennes, les chaînes camerounaises d'autres pays, s'il me faut reprendre aujourd'hui, je penserais vraiment à trouver ce qu'il faut pour créer des contenus non seulement de qualité, mais avec tout ce qu'il faut autour. Voilà. Donc, il n'y a pas de regret, c'est clair que non, mais il y a cette volonté-là, à un certain moment, de toucher la perfection. Voilà. Parce que la télé est quelque chose de beau. Mm-hmm. Et mérite, ce qui est beau mérite qu'on y mette de l'argent. Mm-hmm. C'est mon père qui me disait souvent, voilà. C'est mon père qui me disait souvent que la vie n'est pas faite pour être facile, elle est faite pour être belle, mais que la beauté a un prix. Ah oui. Voilà. Donc, si on veut du beau, il faut tout simplement le faire encore plus. Donc, si j'ai la possibilité de reprendre la télé, c'est de reprendre avec des moyens qui permettent de faire quelque chose d'extraordinaire. D'accord. J'ai une question. Je crois que c'est... Les gens vont se dire, mais c'est Euphrasie qui aurait dû poser cette question. Donc, ne la pose pas. Hein, c'est... Je vais la poser. Parce que moi, je l'ai... Le judiciaire de Mechim, il est vierge ou pas? Le casier judiciaire, bien sûr, il est vierge. Vierge comme le mot. Oui, c'est le vrai casier judiciaire, n'est-ce pas? Ah, il y en a combien? Mais vous, on ne comprend pas. Mais si, je parle. Non, non, il est vierge, Dieu merci, il est vierge. D'accord. Il est vierge, même en parlant de casier judiciaire en même temps. Jamais même de convocation? Un 72 heures? D'accord. Non, mais par contre, j'ai eu une anecdote, enfin un truc bizarre qui m'était arrivé un jour. Et j'étais pas encore à la télé à l'époque, pas du tout, je crois pas. Ou peut-être que oui, en tout cas. Un jour, j'étais encore à Baie, et il y avait eu beaucoup de manifestations ce jour-là. C'est quand j'habite à Baie, j'étais même au cœur de Baie. En là. Tout cas. Beaucoup de manifestations. Et le soir, j'ai une amie qui, très proche à moi, qui allait à Paris. Donc, je devais aller à l'aéroport avec lui. Oui. Un ami très proche. Donc, je prends ma moto vers 23 heures, parce que c'était sur Air France, donc 22h, 23h. Le vol tard, là. Le vol tard. Et en allant, je me fais arrêter vers la forêt sacrée de Baie d'Anglipé par un groupe de gendarmes qui étaient dans une grosse voiture, leur camion là et tout. Et on m'arrête, et on me prend. Et moi et la moto dans le camion. Oh, oh. Dans le camion. Et ils ont pris aussi un fou. Et ils ont pris. Y avait des jeunes qui rentraient d'une fête là. Ils avaient leur glacé avec un peu de soudain. Ils ont ramassé tout le monde. Et on s'est retrouvé à la gendarmerie, au grand camp de la gendarmerie qui avait le commissariat central là. Vers 23h. Donc j'appelle mon gars qui était à l'aéroport là. Oh, tchalé. Sochalé. Donc tu fais bon voyage. Donc, alors qu'en réalité j'étais le seul qui l'accompagnait à l'aéroport. Oh, c'était comme un truc très restreint, mais bon, il est parti se disant que j'étais à la gendarmerie, sachant pas ce qui se passait. Et le lendemain matin, je fais l'effort d'appeler un cousin quand même, parce qu'on n'avait pas encore mon téléphone. Et on était plein, nombreux, nos amis sur un terrain. En fait, là-bas. C'était la patrouille qui vous avait. On nous a mis sur un terrain, là-bas, sur le soleil. Et ce qui était très drôle, le fou était à côté, vraiment dans sa folie, quoi. Et il sentait. Et on demande au fou, il a quel âge? Au départ, il dit qu'il a 6 ans. Et après, il dit qu'il a 60 ans. Après, il dit, il est fou. Pourquoi on lui demande son âge? Non, mais ça a été, après, d'une façon un peu miraculeuse, je suis sorti. Et voilà, on cherchait quelqu'un qui s'appelait Aimé. Et je croyais que c'était moi, je suis allé me présenter. Et après, on dit que c'est pas moi. L'autre vrai Aimé est venu et il est sorti.
Et il y a un gendarme qui me disait d'aller me rasseoir. Et le chef dit non, comme il est déjà venu ici, c'est son jour de chance, laissez-le partir. Et je suis parti, après c'était pas vers 11h au midi. Hein, ah ouais, quand même, tu as passé plus de 12 heures. Hein. Non, oui, non, j'étais là, mais ça n'a rien à voir avec le casier judiciaire, puisque j'ai pas été accusé de crime. Ok, ouais. Mais justement, par rapport au casier judiciaire, qu'est-ce que tu voulais dire? C'était l'anecdote? Non, mais c'était ça. C'était ah, d'accord. Ça. En parlant de, quand vous parliez de faire 72 heures okay. Dans le commissariat et tout, ça m'a rappelé cet épisode-là de ma vie que je trouvais très drôle. D'accord. En tout cas, pour être drôle, ça l'est. Aimé, on va boucler des bichots, mais oui. On va faire un flashback, comme je le disais tout à l'heure. On a des images pour toi. On a quatre photos. Quand les photos vont passer, on va rien dire du tout, nous. Et c'est toi qui vas parler. Et dire quoi? Ce que tu voudras dire, première photo. On était jeunes et bien. Ça, c'est ma soeur et la grande soeur. Abile Mangbazim. Ça, ça devait être avant ou après l'émission, ça. Tu devais être après? Oui. Sûrement après. Ça doit être après l'émission. Et surtout, Abile, des bichots te guettent. Hein. Des bichots t'attendent, toi. Impatiemment. Bah, parle-nous un peu de ta relation avec elle. Bah, Abile, c'est la grande sœur de tout le monde de la télé. Hein. Bien tout sûr. Monde, on était quand même assez proches, puisque la famille Café Matinal, c'était quand même. C'était une famille assez unie. Et on s'est vu plus d'une fois quand je suis rentré à Lomé, mais bon, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps. Abile, un bon vin, quand il est rouge et sec, je l'aime. Ok. J'espère que le message est passé. En tout cas, photo suivante. Le bim de ça. Ça, je crois que ça devait être 2 ans ou 1 an. Non, 1 an peut-être après que je sois parti. Je ne sais pas. On dirait Rambo. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Non, mais ça, c'est au state. La photo derrière, l'histoire, pardon, non, derrière la photo. Je ne sais pas. Je crois que ça, je vais pour de rentrer peut-être de l'église ou quelque chose comme ça. Je trouve aussi fascinant aux États-Unis les gens. Il avait le drapeau Il y a un truc aussi aux États-Unis, hein, le drapeau c'est dans le quotidien de tout le monde. Ouais. Dans presque on se sent appartenir à la nation une fois qu'on est arrivé en même temps. Dans presque toutes les maisons, toutes les administrations, il y a un drapeau et ça court les rues. Quoi, donc c'est facile. Ouais. J'ai voulu moi aussi. Il y en avait dans ta maison. Bah, oui. J'ai voulu faire mon petit show et puis ouais, c'est drôle. Le temps passe vite. Image numéro 3. J'étais maigre. Je ne te le fais pas du lire. Non, il fallait passer cette image avant de passer celle qui est passée tout à l'heure. Parce que ça, j'étais maigre. Donc, j'étais à côté du moteur. Donc, voilà, tout jeune et s'essayant. Et je ne sais pas. C'est pas sérieux ce truc. C'est pas sérieux. Si, on est dans notre sérieux comme ça. Mais Kevin demeure un grand frère tout simplement, hein, et puis c'est toujours un plaisir de le voir, de le rencontrer, de discuter avec lui et de le sentir toujours aussi motivé, occupant encore l'espace médiatique. Ouais. Il y a une dernière image. La dernière image. Celle-là, en fait. Je me rappelle que trop bien, c'est une Dodge Charger qu'il y a derrière, une voiture que j'aime bien, que j'ai jamais pu acheter. Tu l'achèteras, pas encore. Donc un jour, j'ai vu la voiture, c'était juste à la descente de mon appartement, j'ai dit tiens. Tu devais prendre la photo. Prendre la photo comme ça. Pour garder, voilà, tu regarderas. Donc ça attend le collage. Ce sera le collage du n'est-ce bien. Pas. Ce sera le collage. Le avant et après, même si c'est 20 ans plus tard. Donc je me rappelle que trop bien de cette photo, exactement, c'était pour la voiture. Vas-y. Bah écoute, je pense qu'on a fait un beau flashback avec Aimé, on a fait une belle émission et je pense qu'on est à la fin. Justement, on est à la fin de... Et j'ai envie de demander à... Mais je vais te dire d'abréger ses souffrances. Non, c'est pas le souffrance. Je sais, on se comprend. Tu veux qu'on te torture encore? On se comprend et j'ai envie de demander à Aimé de nous dire comment est-ce qu'il a trouvé son passage dans des bichots. C'est vrai qu'on ne danse pas à sa pression, mais comment est-ce que tu l'as vécu, des bichots, du début jusqu'à maintenant?
Bah, c'est une émission que j'ai eu la chance hein, de voir plus d'une fois, mais surtout d'entendre parler avant même qu'elle ne se réalise. Donc, un peu dans les coulisses d'un certain nombre de choses. Ok. Et c'est vraiment avec beaucoup de joie, non seulement que je suis là, mais que je vois un peu le contenu qui s'y met. Aujourd'hui, la concurrence est tellement grande sur les questions de contenu, sur les réseaux, que produire des contenus de qualité avec des personnes de qualité, c'est important. J'aime l'énergie que vous mettez, vraiment. Et merci. Ça, c'est quelque chose à continuer de faire. Merci. Et je ne sais pas si c'est possible de faire ça. S'il y a des gens qui peuvent soutenir, n'hésitez pas. Soutenez, parce que c'est bon et ça peut être meilleur s'il y a un peu plus d'argent. Merci voilà. Beaucoup. Merci à c'était toi. C'était la page pub. Merci beaucoup. Exactement, merci. C'était la page pub. Mais je te le dis encore, c'était un plaisir de t'avoir sur notre canapé. Mais moi, je t'ai entendu dire tout à l'heure que tu allais sortir un livre. Mm-hmm. Pourquoi tu es pressée? Ah, j'ai pas quoi, j'avais fini. On n'a pas fini. Il a ramené l'image. Non, mais je disais, je t'ai entendu dire tout à mm-hmm. l'heure que tu allais sortir un livre. Mm-hmm. Est-ce que c'est... dans un c'est futur proche. Un livre, en fait, moi, j'ai plutôt envie de demander, est-ce que c'est juste un livre inspiré de tes expériences comme ça, ou tu as envie de devenir aussi auteur? En fait, ce livre, je l'ai écrit depuis 3 ans, hein, même un peu plus. Quand et même, il suffit de l'éditer. J'étais à un certain moment de ma vie où je voulais non seulement retracer un peu mes expériences, mais aussi et surtout écrire ce que je pense devoir faire okay. pour arriver à ce à quoi je veux arriver. Donc c'est un peu un petit truc à cheval entre ce que j'ai vécu et ce que je pense important comme discipline à mettre dans ma vie. Donc je l'ai appelé le code du succès à l'époque, c'est pas celui qui porte le même nom. Mais pour moi, c'est mon code à moi de succès. Je le lis, je le relis. Et ben, on continue de travailler quand même là-dessus, de rajouter des choses, parce qu'après 3 ans, hein, l'esprit change un certain nombre de points, même 4 ans même déjà. Ouais. Mais il sortira au bon moment. Pour l'instant, on laisse encore couler. D'accord. Merci encore à toi, Aimé. Et c'est sur cette note de littérature qu'on va clôturer l'émission du jour. Fraisie. Bah, je dis encore un grand merci pour Aimé, je vais pas dire vie. Alors merci à toi Aimé d'avoir pour la patience surtout parce qu'on se comprend, d'avoir accepté d'être sur notre plateau et merci à nos internautes qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin, à ceux qui nous ont pris en cours de route et j'espère que vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, inbox pour nous dire pourquoi et comment est-ce qu'on peut améliorer. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, Fraisie l'a dit. Moi, je vais dire d'abord merci à Brie Delors encore pour la mise en beauté. Je vais dire encore une fois merci à Aaron Design pour nos belles tenues. Et merci encore une fois à Aimé aussi qui nous a bien fait rigoler dans les coulisses avant même qu'on ne passe sur le plateau. Et merci à vous d'être restés jusqu'à maintenant. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine, tout simplement. Julien Lay.